Ah, c'est toi. Je crois que j'ai oublié les balles. Bang, bang. Je suis pas un danger. Pas pour toi. Et je risque pas de me blesser en fumant de la... T'as entendu ça? Tout ce que je demande, c'est de pouvoir finir ce joint. De me faire les ongles une dernière fois et de sombrer dans un coma bien douillet. Mais... il y a toujours un truc pour m'emmerder en limite de mon champ visuel. Pourquoi ils se montrent pas qu'on en finisse? Ça me fait pas peur! Adriane a envoyé quelqu'un pour me trouver. Je le savais. Faut faire partie de l'aube nouvelle pour être un connard à ce point-là. On te manipule. Et puis c'est toi qui demandes à être maltraité. Et puis, tu les en remercies, rien que ça. Je sais que t'es pas là pour me sauver. Ça me va. Je le ferai pas non plus. D'ailleurs, j'ai pas envie d'être sauvée, mais... je veux surtout pas partir de cette façon. Comme dans un film d'horreur à deux balles. C'est trop bidon. Il n'est pas question que j'aie une mort en carton-pâte. Et certainement pas en étant coiffée comme ça. Bordel. T'es en vie, toi. Alors tu peux pas comprendre. Salut. J'espère que ta mort ne sera pas trop. Sont là pour mettre à nu les couches successives qui vous composent. Merci de répondre aussi ouvertement que possible. Découvrons qui vous êtes réellement. Thank you.
voulez quitter, vous vous trouvez automatiquement sur la liste. Pour eux et pour leurs avocats, vous vous engagez à vie. À la prochaine. Si vous rompez le contrat, il est normal que vous deveniez une cible. Ils vous suivent, vous piègent, engagent des poursuites, vous perdent, mentent aux autres. Ils font tout ce qui est nécessaire pour vous discréditer sur toute la ligne. Il leur suffisait de me laisser partir. J'aurais pas dit un mot. Je voulais simplement reprendre le cours de ma vie. Mais ils peuvent pas se permettre de laisser filer les gens. Ils ont trop de choses à cacher. Alors ils vous surveillent, ils vous créent des ennuis, vous provoquent, vous brisent, vous réduisent au silence et puis... Et puis quel autre choix j'ai? Je réplique avec le peu de moyens qui me restent. Je prétends pas m'être approché des sommets. Parce que vous savez combien de niveaux il y a? En tout cas, plus que j'ai pu en compter. Mais c'était déjà bien assez pour comprendre qu'il était temps que je m'en aille. Une traite de voleur. Mais si j'ai pris ce fichier, c'est pour avoir une garantie. Parce que je savais que j'allais avoir besoin de quelque chose, d'un truc qui... Plus on monte les échelons, plus ils sont malsains et superficiels aussi. Et prêts à tout. Peut-être qu'il n'y a rien d'autre que ça dans leur putain de programme. Ce à quoi ils travaillent, ce en quoi ils croient. Vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a dans les fichiers que j'ai pris? J'en sais foutrement rien. C'est pas incroyable, ça? Pour autant que je sache, ça pourrait aussi bien être une recette de tarte au citron. Bon, c'est probablement pas une recette de cuisine. Quoi qu'il en soit, ça les emmerde bien que ce soit en ma possession. Et ça me donne un moyen de pression. Les parties significatives sont bloquées par mot de passe. En tout cas, je pense que c'est important. J'en sais trop rien. J'ignore de quoi il s'agit, ce que ça raconte et même comment y accéder. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas d'autres munitions.